C'est pour C'est mon meilleur ami. Ton meilleur ami et ton conjoint. C'est dans un... dans un sitcom ou un truc comme ça, à la fin de l'histoire, tu finis avec lui. D'ailleurs, le bébé, de qui il est? Les gars, vous avez la même tête, comment on pourrait dire ça? Vous avez pas la même tête de fou, franchement? La même carrure, la même barbe. Est-ce que même toi, t'arrives à les différencier? Vénère tous les deux. Non, pas si vieux que ça. Et pas si vénère que ça non plus. J'avais pas donné les chemises à fleurs. Vous êtes ensemble, les gars? Pardon? Vous êtes ensemble? Oui. Ton prénom? Didier. Norbert. Norbert? C'est rare. Tu sais que t'es comme les dragons, t'es un des derniers. Il reste plus beaucoup de Norbert. C'est quoi ton prénom? Oui. Saïd, ça va, Saïd? Il sait qu'il a pas le droit à l'erreur. Il veut rien dire. Sur mon prénom, je vais pas me tromper. Saïd. Ça va, Saïd? Au travail? Couple? Faut pas que je parte du oui ou du non. Pas de question fermée. Depuis quand, Saïd? Non, pas Saïd. J'ai mieux. Saïd, parle-nous d'elle. Ah, elle est magnifique, ça. Elle est technique. 4 ans. Voilà. Donc, ah, au jeu, on répond à la question d'avant. On faisait au centre de loisirs, je me rappelle. Parle-nous d'elle, c'est qui? Saïd, ça va? T'es mal à l'aise, je te parle pas, hein, je veux pas te forcer. D'accord, vas-y, donc c'est qui? Mais vas-y, développe, ma femme, c'est pas que ta femme, elle a un prénom, une personnalité, des trucs, donne-nous des informations sur elle. Tu te rends compte qu'il connaît pas si bien que ça, hein? Ah, c'est ça les mariages à manger, elle a pas les temps. Tu es très grand ou tu souffres en... Tu rentres pas? J'allais faire une vanne, mais finalement je... Voilà. Je l'ai pas faite. C'est-à-dire, tu rentres trop grand, tu veux dire? Contrairement à cette bande de nabos qui sont là. T'es leader, tu bosses à Intermarché. T'as l'habitude, tu trouves quoi dans la vie, toi? J'ai fait un sans faute pour l'instant, hein. J'ai fait un sans faute là. Mademoiselle, t'es enceinte? Oui. Non, je suis enceinte. C'est pourquoi j'ai demandé ça. Non, j'ai un cancer. De lui ou de lui? De lui. Et alors, c'est qui le chandelier là à côté? Qu'est-ce qu'il fait là ce soir, lui? Bien, une gâche et leur soirée. Qu'est-ce qu'il fait là, toi? C'est pour? Ton meilleur ami et ton conjoint. C'est dans un... Dans un sitcom ou un truc comme ça, à la fin de l'histoire, tu finis avec lui. D'ailleurs, le bébé, de qui il est? Les gars, vous avez la même tête, comment on pourrait dire ça? Vous avez pas la même tête de fou, franchement? La même carrure, la même barbe. Est-ce que même toi, t'arrives à les différencier? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu des expériences surnaturelles? Oh. Allez, fais-nous rêver, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand j'avais 13-14 ans. 13-14 ans. Mes parents venaient divorcer. Tes parents venaient de divorcer? Ouais, ma mère venait d'emménager en une même maison. Pour tout ce qui est horreur, il faut une maison déjà. Sachez-le. C'était où la maison? Dans une petite ville. Petite ville, important. Maison isolée, petite ville. Vas-y. Ou construire dans une ancienne grange, au maximum. D'accord. Tu montes dans ta chambre. Tu regardes par la fenêtre pour voir si les volets sont fermés, d'accord? Oui, fermé, sauf que les volets étaient fermés. Sauf que le reflet que je vois, c'est pas le mien, c'est celui des parents. Sauf que ton reflet, c'est pas le tien, c'est celui de Saïd. Quoi? Tu vois le reflet de quelqu'un d'autre? Tu l'as reconnu ou pas? Non. Non, parce que c'est pas quelqu'un que je connais, mais. C'était un enfant? C'était. Est-ce qu'il y avait une chemise bizarre? Non. Bon, c'est pas toi du futur déjà, ça c'est sûr. Tu t'en rappellerais de cette personne? Attends, et après, il s'est passé quoi après? Tu l'as dit à ta mère? Alors j'étais en boule au pied de Molly en pleurs parce que... T'étais en boule? Ouais.
humour, t'es pas sûr. Que Didier est plus courageux que toi, sache-le. J'ai tellement de vannes, je vais pas les faire. Putain. Non, master, partagez, c'est trop cool. Du coup, ça me fait penser à ma question suivante. Est-ce qu'il y a des handicaps dans la salle? Non, non, c'est pas vrai. C'est quoi ton handicap? Je suis mythomane. Quand j'arrive, c'est quoi ton handicap pour de vrai? Trouble de l'attention avec les parents. Tu peux pas faire deux tâches en même temps? Non, non, non. Là, si on dit va faire la vaisselle, il va acheter les poubelles. Si je fais l'un, j'ai oublié l'autre après. Oh, d'accord. Si on dit va faire la vaisselle, il va acheter les poubelles, bah, je peux pas faire les deux en même temps. J'arrive pas. Je peux pas prendre les vies avec moi, je n'arrive pas à le déplacer. Je crois que j'ai un handicap, j'ai une carte handicapée pour me garer n'importe où. Les filles, dites-moi le truc le plus impressionnant que vos mecs fait pour vous. Ça marche dans l'autre sens aussi, hein. Ça marche même dans encore un autre sens encore. C'est elle à côté. Ça c'est incroyable. Ce petit fumet de malaise là qui passe par les narines. C'est quelque chose qu'une ex a fait pour toi ou que toi tu as fait? Ah oui, tu t'en fous. Ah oui. Non, je veux pas raconter un peu comment j'ai fait. Vas-y, dis-nous qu'est-ce que t'as fait. J'ai mis des pétales de rose dans un chemin. T'as mis du pétale de rose, un chemin où? Dans une maison abandonnée. C'était grand. Ça se trouve, c'est lui, il était derrière avec sa surprise de. Ça, il a paru, là. Et tout le monde, en fait, ça a habité. Tu l'as traumatisé toute sa vie. Il a des troubles de l'attention et tout à cause de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un que t'aimes pas à l'école noire? Franchement, noir. Oui. T'as une liste, Noah, je le sais. Comment s'appelle cette personne? N'aie pas peur, dis-le. Tu sais pas, tu sais plus. Dès que ta mère t'a regardé, t'es revenu en arrière, Noah. Je sais que tu sais très bien qui c'est. Allez, donne-moi son nom, Noah. Lâche-le, vas-y. Débarrasse. T'as oublié? Je reviens dans 2 minutes, Noah. J'ai pas lâché ça, je te lâcherai pas. J'aurais pu piquer. Joachim. Allez, Joachim. Ah bah voilà, le direct. Ah bah il s'appelle François. On a toutes les infos. C'est qui, vas-y? Oh, t'as gagné. Bravo. Bravo. Hugo, t'as un ennemi toi, quelqu'un t'aime pas? Hugo! Dis la vérité, t'aimes tout le monde à l'école? Allez, Hugo, fais-nous gagner du temps. Donne le nom de celui que t'aimes le moins. Vas-y, lâche-le, vas-y. Pablo. Pourquoi tu n'aimes pas? Parce qu'elle a pourri toute la jeunesse. Elle a cassé Medellin. Peur, la rencontre tous les deux, ça c'est intéressant. Dans un groupe de paroles d'hommes. Un groupe de paroles d'hommes? C'est quoi ça? C'est quoi un groupe de paroles d'hommes? Bien, qui s'est rendu compte que les hommes ne parlaient pas vrai. On parlait pas vrai. Groupe de parole que des hommes, donc? Oui. D'accord. Donc c'est pratique pour vous, je veux dire. C'est un terrain de chasse, fais pas semblant. Pas semblant, tu sais où tu vas. Non, je veux que tu me dises comment tu l'as rencontré. Un truc mignon, tu vois. Bah, c'est mignon. Non, c'est nul, ton groupe de parole, là, en cercle. Un petit gars vénère comme ça, en tension, comme lui, là. Salut, ça va? Ouais. Toi, moi, je parle pas vrai, moi non plus. Moi, je vais te faire parler vrai, tu vois. Moi, je vais en danse fistinière et tout, je suis pas du tout dans le... Et donc, les amis, il faut une chute pour terminer ce spectacle. Vous allez me la donner ou je vais partir sur ça? J'avais oublié Saïd. Là, je vais aimer. La posture, j'aime beaucoup. T'as déjà été sur un yacht? Toi, c'est sûr, t'as déjà été sur un yacht. Vas-y. Sur le RER A. Parle de yacht, c'est le RER A. C'est pas possible. On parle pas du tout du même moyen de locomotion, là. On est pas sur le même délire. Ou t'es quoi, t'es contrôleur, t'es... Non, je suis conducteur, il faut l'afficher sur mon train. Attends, tu pourrais la mettre genre derrière la vitre, là où quand on est collé à ton truc, on verrait ça direct? Je pourrais. Non, je pourrais, tu peux, tu vas le faire ou pas? Je pourrais le faire au conditionnel, mais je vais pas le faire. Tu vas le faire? Je vais sur mon photo. Et je veux une photo de l'autre côté, on la mettra dans la vidéo. Ah, c'est bon, c'est parti.
Mais t'es toute petite toi aussi, je t'avais pas vu. T'as quel âge? Hein? Wow, pardon. Non, non, non! Un animal! On est en pleine mutation là, c'est le moment. Hein. C'est le moment, elle se transforme en monstre. C'est quoi ton prénom? Maëlys. Maëlys. Ah bah c'est bien. Tu vas te chercher. Alors. Il fallait une blague sur les enfants et la mort. Depuis tout à l'heure, j'en ai eu, j'avais pas trouvé. Merci, Maëlys. Dis-moi. Tu la mettrais où? Dans le salon de vous habiter. Super, 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 super. Merci, Maëlys. Parce qu'on avait vraiment envie qu'on te retrouve finalement.